le passage de l'autre tchèque de cette finale, Setkova, qui a déjà. Alors, on n'est pas encore sûr qu'elle ait pris une pénalité. Ça s'est mal passé au niveau de la porte numéro 6. Il y a une révision. On va voir ce que disent les juges. Pour l'instant, elle a une petite seconde de retard sur le temps de référence qu'a signé Herzog sur le passage précédent. Pardon. Elle arrive sur la grosse difficulté de ce slalom. Cette double porte 13-14-15-16. Ah, on l'a répété, hein, cet enchaînement 13-14-15-16. Ouais, bien fait ça. Très très bien fait. Ça touche pas. Sur la 16, ça passe. En espérant qu'elle soit bien passée dans la porte. Toujours cette révision hein, sur la porte numéro 6. Allez, elle arrive sur la 20, elle aussi à contre-courant. Elle est en avance. Elle est en avance au niveau du temps, mais s'il y a pénalité, elle sera derrière. Ça va jouer à pas grand-chose. Setkova qui arrive maintenant sur la 22-23 avant les deux dernières portes. Attention, ça a bougé. Est-ce qu'elle a touché? Je ne pense pas qu'elle a touché. Elle a touché la 22. C'est dommage. Pas de pénalité sur la 6, mais sur la 22, pardon, c'est un peu dommage. Hein. C'est pas la porte la plus dure. Elle peut néanmoins toujours aller chercher le meilleur temps. Il faut qu'elle se batte. 103-31, elle est derrière pour 6 centièmes. Ah, c'est dur. C'est dur pour Gabriela Setkova qui avait vraiment... Elle semblait avoir le meilleur temps. Être capable d'aller chercher ce meilleur temps, mais ça n'est pas passé. Herzog donc devant Setkova et Fizerova. Et on arrive maintenant sur le passage qui nous intéresse, bien sûr, la Française Marjorie Delassus qui va s'élancer. Elle est là, notre Française, quatrième à Tokyo en C1, 24 ans, Marjorie Delassus, la Française, qui va s'élancer maintenant. Allez, c'est parti, objectif, faire mieux que 103 secondes, éviter les pénalités. Allez, ça part bien, ça part vite, bien géré, la première porte à contre-courant, ne pas partir trop au large là. Marjorie Delassus, sixième. Hein. Oh, aïe, 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 aïe. Ça s'est pas bien passé là sur la 5, la 6 à contre-courant. J'allais vous dire, hein, j'avais un œil sur le classement général de la Coupe du Monde de slalom ancien. Elle est sixième, la Française. Son meilleur résultat cette saison, c'est une deuxième place en Pologne lors de la deuxième étape de la Coupe du Monde. Elle espère récidiver, retourner sur le podium aujourd'hui. Mais elle a déjà ses 2 secondes de pénalité. Le premier intermédiaire, elle est loin, elle a 3 secondes de retard sur le meilleur temps de l'Allemand Herzog. Allez, il faut refaire son retard maintenant. Bien géré ce 13-14. Ouf, elle perd un petit peu de temps là sur la 13. Allez, la 14 bien gérée. Là aussi, elle perd du temps. Oh, ça se passe pas bien. Ça se passe pas très très bien là pour Marjorie Delassus. Allez, aller chercher la 15. Attention, elle fait des tours sur elle-même. Mais ça va, ça va. C'est pas non plus dramatique. Mais elle a perdu beaucoup de temps. On va voir à l'intermédiaire. Elle doit se battre. Hein. On la voit se battre beaucoup là. Pour rester dans la bonne trajectoire. 4 secondes de retard sur Herzog. Ça passe pour la porte 20. Il faut qu'elle essaye d'accrocher le podium. Passer devant Fizerova. Fizerova qui était à 3 secondes hein, du meilleur temps. Mais là aussi elle est large. Elle perd beaucoup de temps Marjorie Delassus là. Sur ce passage. La 24, la 25. Allez les derniers coups de pagaie. Et en terminée, elle sera derrière Herzog. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'elle peut accrocher un podium provisoire? Elle est quatrième, malheureusement. 3 secondes 38, on la voit. Ouais. Secouer la tête. Elle s'en veut l'erreur. Pourtant, sur pas la porte la plus facile, bien sûr. Toutes les portes sont difficiles. Mais en tout cas, sur un enchaînement, a priori, moins compliqué. La joie d'Andrea Herzog, qui, elle, terminera dixième au classement général de la spécialité. André Herzog donc qui s'impose pour un rien face à Gabriela Setkova. 600e. Teresa Fizerova donc pas de la seule à hein, avoir réalisé un slalom sans pénalité. Remporte donc la Coupe du Monde de la spécialité. Marjorie Delassus, notre Française,
Et quatrième de cette épreuve, quatrième également au classement général.